Salut tout le monde, comment ça va? C'est Kevin, créé Megatron. Vous choisissez le nom que vous voulez, c'est vous qui avez le choix. Aujourd'hui, je fais un petit retour sur YouTube, ça fait un petit moment que je n'avais rien posté. Hein. Mais là, il y a des petits sujets sur lesquels il faut parler. Après les lives que je fais avec mon pote Cyp, Cyprien, Cyp Coaching qui est au Mexique, etc., tout ça. Je me suis dit que j'allais commencer aussi à relancer des petites vidéos sur YouTube sympathiques, de façon à faire réagir tout le monde. Vous poussez très bien à avancer, d'accord? C'est vraiment du bonheur de pouvoir faire des vidéos pour vous et je vais essayer d'être plus régulier. Donc, le secret de la réussite, souvent on se demande quel est le secret de la réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réussite, c'est pas un secret, c'est pas du tout un secret. La réussite, elle est ouverte à tous quand on s'en donne les moyens. La réussite est juste là devant nous. On a juste à ouvrir la bonne porte et plus et tout. Beaucoup de gens pensent que il faut être né dans un milieu aisé, etc., avoir des parents riches, patati patata, pour réussir. C'est pas du tout le cas. Enfin, je vous le confirme. Donc, la réussite est accessible à tous. C'est pas un secret. Pensez-le, dites-le et ensuite faites-le. Vous allez voir que tout va changer. Quand on fait ce qu'on dit, je vous promets que ça avance beaucoup mieux et psychologiquement on se sent beaucoup mieux. Et ça, c'est ce que je fais tout le temps en fait. Je le pense, je le dis et je le fais. Et ça change tout, franchement. À chaque fois j'arrive à... Enfin, les objectifs que je me fixe, j'arrive à les atteindre. Et du coup, bah, je m'en fixe d'autres. Donc, vous savez, comme je dis, peu importe d'où on vient, souvent on se dit oui... Moi, j'y arrive pas, un tel a réussi, patati patata. Mais est-ce que nous avons les mêmes objectifs? Est-ce qu'on s'est fixé les mêmes objectifs, les mêmes deadlines? Est-ce qu'on s'est fixé les mêmes objectifs, pardon, dans le même laps de temps? Ça, on ne sait pas. Non, on ne sait pas ce que la personne a fait, la personne ne sait pas ce que vous faites. Ce qui est important, c'est de vous concentrer sur vous-même. Et bien sûr, peu importe d'où vous venez, milieu riche, pas riche, pauvre, moyen, quand vous avez de grandes ambitions, il faut aller les chercher. Allez chercher ces grandes ambitions et vous allez voir. En cherchant les grandes ambitions, vous allez commencer à déjà grandir vous-même. Et puis, quand vous allez atteindre ces ambitions, vous allez les réussir. Vous allez voir que votre vie sera totalement différente et que vous serez une personne différente. Vous allez arrêter de vous plaindre, vous allez toujours chercher à aller de plus en plus loin, de plus en plus haut, aller de l'avant, emmener les gens avec vous. Donc, n'inquiétez pas, donnez-vous les moyens. Ayez de grandes ambitions, mais essayez pas de vous envoler sans matériel, ça marche pas. Hein. Moi aussi, j'ai eu l'ambition de m'envoler, j'ai sauté, j'ai vite raterri. Voilà quoi. Ensuite, deuxième point, la réussite ne va pas. Enfin, ne veut pas dire forcément être riche. Pas parce qu'on est riche qu'on a réussi. C'est bien, ça peut être une réussite. Mais ça ne veut pas dire qu'on a réussi à être riche. Parce que regardez, vous pouvez être riche mais en mauvaise santé, au final, vous n'allez pas profiter de votre argent. Vous pouvez être riche mais tout seul, au final, votre argent ne vous suit pas quand vous allez partir de ce monde. Donc voilà, la richesse n'est pas... Enfin, c'est une réussite mais ce n'est pas la réussite. Elle peut contribuer à beaucoup de choses et à un confort de vie, bien sûr, une liberté, c'est la liberté. Mais on n'est pas obligé d'être riche pour réussir sa vie. Être heureux, c'est une réussite. Le bonheur personnel, le bonheur de son entourage, ça c'est une réussite. Mettre les gens, comment dire, les faire sentir bien autour de vous, envoyer de good vibes, de bonnes énergies pour que votre entourage soit en bonne santé, ça c'est une réussite. Être en bonne santé, c'est une réussite aussi. Donc faites du sport, faites TSE, faites mes vidéos YouTube d'entraînement. Car bien sûr, avec la santé, vous pouvez aller beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps. Donc faut vraiment pas hésiter. Vous savez que devenir la personne qu'on veut, c'est une réussite aussi. On ne demande pas à être super riche, à être une superstar, parce que je vous jure, beaucoup de superstars finissent ruinés à la fin de leur carrière. Alors que vous, peu importe, on n'est pas riche ou nous, on n'est pas riche, mais on est constant tout le long de notre vie. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. On n'a pas connu un succès pendant une quinzaine, vingtaine d'années, et après, c'est la descente aux enfers parce qu'on s'est fait arnaquer, taxer, et, voilà, mauvais entourage. Parce que vous voyez, quand il y a la célébrité,
le mauvais entourage vient parce qu'ils savent que vous avez de l'argent, donc ils viennent que pour profiter de vous. Donc, quand on n'est pas riche, mais qu'on est juste bien, parce qu'on a réussi notre vie, on a un bon travail, on a un bon salaire, on a une bonne famille, de bons amis, ça c'est une réussite. On est en bonne santé, c'est une réussite. Pensez à ça. La réussite vient déjà avec le bonheur personnel. Ensuite, l'entourage, la santé, etc. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est pas parce que je serai riche que j'aurai réussi forcément ma vie. J'aurai réussi financièrement et ma vie peut-être peut être une catastrophe. Et ça, je peux vous le dire, je connais des riches, hein. Ils sont pas heureux du tout et ils sont stressés à longueur de journée, ce qui leur provoque des AVC, etc. C'est pas le top, top, top. Donc voilà. Soyez heureux avec ce que vous avez. La réussite, elle est là devant vous. C'est juste à vous d'aller la chercher avec des bonnes occasions, des bonnes opportunités. Et ensuite, comment dire, on va terminer cette vidéo parce que j'ai pas envie de m'attarder trop longtemps. C'était une petite vidéo simple et efficace, vous voyez. Demander de l'aide, c'est très important. Vous savez, il y a des gens qui ont réussi et on n'ose pas aller leur demander de l'aide parce qu'on se dit que ces personnes vont nous recaler. Mais bien au contraire. Quand une personne a réussi, on va lui demander comment t'as fait, j'aimerais réussir comme toi. Cette personne n'hésitera vraiment pas à vous dire normalement. Si vous demandez ça gentiment aussi, hein, commencez par dire bonjour, comment vas-tu, j'apprécie ce que tu fais, franchement t'es un très bon exemple. On lèche pas les bottes non plus, mais voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez vraiment pas. Apprenez aussi. Allez vous instruire, cherchez, comprenez pourquoi les gens ont réussi, comment ils ont fait et par quoi ils sont passés. Une fois que vous aurez compris tout ça et que ces personnes vous auront répondu et que vous aurez fait le point par rapport à vos objectifs, vos ambitions, à votre vie, là vous allez voir que la réussite vous tendra les bras. Sur ce, si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner. On la partage. On like la vidéo, bon, vous savez les phrases de youtubeurs, tout ça là, j'aime pas trop, genre, allez, on like, on partage, on active la cloche, patati patata. Bon, faut le faire, mais bon, voilà, je suis pas maître de vos choix, donc c'est vous qui décidez si vous voulez vous abonner, partager la vidéo, etc. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, mais surtout, restez transformers, et ciao tout le monde. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, 'cause I'm running.